a été prise, de dire qu'il, puisque c'est un seul candidat, il n'y a pas de débat, nous nous sommes retirés. Et ça s'était transformé et en causerie avec Jovenel. Pendant la causerie, ça, avec ça, là, il y a plusieurs questions qui posaient, notamment question de un monde qui était venu et dans la soirée, qui était posé la question sous rapport UKEF. Là, et on a fait vite entendre qui réponse Jovenel Moïse lui-même avec Bouchepal Tebaï et qui était nous annonce tout. Nous allons parler tout à l'heure avec Guichard Doré, qui d'ailleurs PHTK, Guichard souligne, qui souligne, qui après le temps d'intervention de Jovenel Moïse, là, qui souligne que PHTK pral fait une conférence de presse sur question ça et il a attaqué. Il dit que UKEF fait manipulation, son bras est fallacieuse et il fait là, il a trafiqué des informations personnelles. Et nous annonçons tout que à 10h, aujourd'hui, le directeur et général UKEF, d'après invitation que nous te joignons par texto, la baille un point de presse. Aujourd'hui, à 10h, la même vidéo attendait candidat à la présidence à l'époque, président élu Jovenel Moïse, qui répondait aux questions concernant justement ce rapport de l'UKEF, qui dit que il y a possibilité possible et manipulation et de fonds et qui n'a pas un rapport avec BTC, c'est ça, et UKEF t'a dit. Flafom dit que c'est pour ça que je parle de renforcement institutionnel. Jovenel Moïse parle de renforcer l'institution pays. Je ne peux pas utiliser une institution pour instrumentaliser pour me détruire un citoyen. Maintenant, pour ne pas faire, il faut l'institution renforcer. Là où pour un rapport de 68 pages, conclusion rapport a dit Jovenel Moïse blanchit 5 552 999,50 dollars américains. 5 552 999,50 dollars américains dans 20 mois. Madame, moi qui dans salle là, tout chiffre dans le rapport est correct. Tout dépôt est bon. Tout chèque c'est ça. Mais sauf que c'est 5 552 999,50 dollars. C'est seul ça. Et ceci, je dis, je suis candidat à la présidence, je demande au peuple de garder là. C'est pour nous poser une question. Pour le bail, poser BN ces questions, pour qu'on ait côté, je me compte ça, que je dépense 5 552 999,50 dollars américains dans 20 mois. Parce que son compte personnel, moi-même à madame, moi. C'est sous lui nous fait tout bas privé nous. D'ailleurs, nous entrepreneurs, c'est avec ça que nous fait des chèques pour payer l'école petite, nous tout bas. Ça veut dire, moyenne dépense par mois, les 250 000 gouttes. Dans liste machine que vous dites que vous achetez, rapport à tout, qu'on parle. En 2009, moi prêté dans mes Sofides avec Banque Nationale ça par rapport 850 000 dollars. Moi prêté dans mes Sofides 350 000 dollars pour me démonter en compagnie avec un associé qui était le Sada Moïse SA. Nous démontons en compagnie, nous acheter 24 camions pour nous vendre de l'eau en vrac. Jou ça dans Auto Plaza. En maison là-dessous, prêt BNCA d'acheter machine pour 660 000 dollars en grain de jour. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis le Jovenel Moïse, je ne vais pas acheter 11 machines, je vais acheter 1 million si je travaille pour ça. Je crois que je dis que c'est une opportunité. C'est une opportunité que le pays a offert et je me dis, mon banque qui t'a fait confiance, merci parce que je paye ma douleur. Payé, moi pas doué. Jodi, rapport a sorti dans le tribunal. Moi même, moi dit l'opinion nationale et internationale. UKEF son institution qui est trop prestigieuse. On ne fait pas ça à une nation. Nous pas qu'à faire peuple à ça. Nous pas qu'à camper une institution comme ça pour nous prendre, pour nous vassaliser. Trop de calomnie. C'est dans la politique, nous. On connaît ça. Ça ne ça pas permettre pour mettre faux points pour entrer dans le matchbox. Ça veut dire que c'est pour qu'on ait que politique là, faut suspendre faire mentir sur le monde. Jovenel Moïse, nous sommes loin, nous réussissons, nous sommes modèles pour nous garder maintenant là. Nous sommes exemples. Et je pense,
Jean m'tap gardé dans télévision. Mon bon ami te dit li, chaque haïtien cap gardé qui saute loin loin même j'ai avec moi. Nous mon petit Jovenel en dedans. Ta quitté personne craser nous. Voilà, où tu as tenu mot président Elua, qui était à l'époque candidat à la présidence, et c'était un débat Chambre de commerce avec l'industrie, il a intervenu. Et nous avons en ligne M. Guichard Doré et une major agent en PHTK. M. Doré, comment y est-ce? Bonjour, 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 tendez intervention candidat à la présidence à l'époque et président élu aujourd'hui, Jovenel Moïse, fait son rapport UKF là. Ou même hier, on parlait avec vous pour le Nouvelliste, ou souligner que parti ou là, PHTK, après bah, une conférence de presse, et ou dit, et m'a répété, ça et UKF dit, c'est faux, c'est archi faux, pas de dossier, son montage malhonnête, UKF fabriqué et des dossiers et fallacieux et trafiqué des données personnelles, et c'est ça où dénoncer Guichard. Oui, effectivement. Donc, nous connaissons dans toutes les constantes le travail ça a fait son machination. Machination politique afin de nuire. Il y a un principe qui régit les institutions de contrôle financier. Il y a un principe, c'est que c'est le principe de la sincérité. La sincérité à plusieurs niveaux. Sincérité par rapport à Bouddhan lui-même, la personnalité, le responsable. Et la sincérité par rapport aux données que vous avez gagné dans le monde pour travailler pour faire un rapport. Et soit vous avez gardé GAFI, GAFI c'est quoi? GAFI c'est le groupe d'action financière internationale qui établit des principes clairs pour les institutions qui ont fait contrôle financier ou bien des contrôles pour le blanchiment d'argent pour ne pas livrer dans des activités politiques. Et l'on fait ça ou même qui est responsable, ça aucun problème. Son opération de blanchiment n'est lui-même tout aux yeux de GAFI pour une institution lui-même qui pour faire travail sur ça et puis lui-même la seule de persécution politique. À ce moment-là, on détruit tout système non, parce qu'on ouvre la route à l'anarchie, au désordre et à l'exploitation aussi à des fins politiques, des manœuvres. L'on gagne un compte bancaire dans une institution, par exemple, en Haïti. Et dans n'importe quelle institution, pas bien cité, non, yo. Et gagne un circulaire de la Banque de la République d'Haïti qui était bail dans toute banque pour un système de codification pour permettre n'importe caissier, ou n'importe quel capteur dans la banque là, pour qu'on connaît qui le bon compte en dollars liés, même si c'est anormalie là, quand il parle de gain de circulation. Bon, c'est pas ça le débat, mais pour qu'on si son compte en dollars ou bien si son compte en good qui est la monnaie nationale. Et non, système codification ça, li gagné par exemple BNC, côté UKF dit Jovenel Moïse, comme Jovenel dit, il y a 5 millions de dollars et puis sur un compte dans 20 mois, il fait très très des sommes importantes, il baille moun, baille comme ça. L'on regarde sous compte ça, son joint. Ou joint que UKF fait un rapport, il baille des rentrer et sortir, ce qui est normal hein, pour un compte bancaire. Comme on a fait dépôt, on a fait retrait pour montrer que si le compte est actif. Si le compte n'est pas actif, ok. Mais si le compte est actif, c'est normal, il a toujours gagné des dépôts et retrait sous lui. Il crée son rapport, il dit que il n'y a pas une date d'ouverture dans le compte. C'est grave ça, parce qu'au bout d'un banque, quand il a gagné, il y a un monde qui vient ouvrir le compte sous lui pour ne pas gagner une date d'ouverture. Donc, les formulaires d'ouverture dont nous disposons ne fait pas mention de la date d'ouverture ni du montant dépôt initial. C'est là qui est grave. C'est ça UKF dit dans le rapport. Oui, c'est ça UKF dit dans le rapport. Oh, il y a un bagage graphique. La groupe d'action, il y a deux institutions financières. Il doit conserver les données pour banques, les données administratives, tout document, il faut conserver. Or, UKF dit dans le rapport par là. Le formulaire d'ouverture, moi je suis à la page 9 du rapport de l'IGRES, l'analyse du compte d'épargne dollar encore, 34-0-0-0-0-272, domicilié à la BNC. La Banque nationale de crédit a ouvert dans ses registres comptables au compte d'épargne chèque conjoint
en dollars américains au nom de Jovenel Moïse et Maryse et Martine Moïse. Le formulaire d'ouverture dont nous disposons ne fait pas mention de la date d'ouverture ni du montant dépôt initial. Le relevé disponible pour notre analyse couvre la période allant du 16 janvier 2012 au 29 avril 2013. Il relate un solde antérieur de 25 000 dollars, 252 dépôts pour un total de 5 559 914,50 de dollars et 152 retraits pour une valeur de 5 581 071,15 dollars, d'où le solde à fin de période correspondant à 1 136 000 dollars. Donc, c'est ça le rapport de XF date du 31 mai. Alors, pour conclusion. Maintenant, l'homme gardé. Monsieur Doré. Et ils font analyser et des fonds rentrés tout les opérations de dépôt constatées sur ce compte sont réalisées en espèces et sont très significatives. Nous ne sommes pas en mesure de retracer les transactions qui ont abouti au solde antérieur répertorié. En revanche, nous avons pu publier des dépôts journaliers mobilisant des montants très importants dépassant le seuil exigé pour la déclaration de provenance de fonds. Nous ne pouvons pas justifier l'origine de ces montants car nous ne disposons pas encore de pièces justificatives. Nous présentons le tableau suivant, les dépôts journaliers très élevés, voire suspects. Et c'est et ça, et vous avez cassé pour ce bon mot tout dans le rapport. Ok, d'accord. Et Robinson, on va aller. Et l'on garde les numéros comptables, on va aller. Et le suspect, si c'est monté en dollars avec lui, moi, c'est monté en goutte, oui. Et BLC. Que votre compte qui compte BNC a regardé quatre premiers chiffres. De vos quatre premiers chiffres, où elle pas un là-dedans, ni qu'on son compte en goût de vie. Si vous avez un là-dedans, vous avez un là. Regardez ce map. Vous avez 34, vous avez 0, 0. Donc vous avez vos quatre premiers chiffres, où elle pas un là-dedans, son compte en goût de vie. C'est ça le système de codification interne BNC. Okay, donc okay. Ça, il préfère, il crève ton compte en goût, lui convertit, et c'est ça, je viens de dire tout à l'heure, là, dans X, on passe là. Donc, il convertit compte là en dollars. Moi, j'ai une mémoire, une attestation, et puis avec un samedarine là, BNC, bail, tout relevé, toute période là, jusqu'à la date du 10 janvier 2017, depuis la date compte là ouvri, il y a tout relevé, et tout relevé, c'est des relevés en goutte. L'attestation maintenant, l'attestation sur compte ça, on a parlé de compte. Et 34-00-072 là. Oui, ok. 272. L'attestation, qui certifie l'angoût. L'attestation. Écoutez, BNC-R. Alors, je vais commencer net parce que je n'ai pas le bagage de document même. Non. Banque nationale de crédit. En fait, il m'a fait plus de 100 ans d'expérience. BNC-RDM/16/17. Attestation. La Banque nationale de crédit, BNC, Banque commerciale de l'État haïtien, créée par la loi du 17 août 1979, certifie avoir ouvert le 20 août 2011, dans les livres de sa succursale de Port-des-Paix, un compte d'épargne chèque en goutte haïtienne, numéro 034-00-00-272, au nom de M. Jovenel Moïse, ou Mme Marie-E. Martine Moïse, dont la balance à date du 10 janvier 2017 est de 1773,50 gourdes. En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. N.B. Mme Moïse-E. Martine ou M. Jovenel Moïse sont les signataires de ce compte. Rue des Miracles, 10 janvier 2017, policié par BNC. Donc, voilà l'attestation que BNC baille pour compte ça, que il greffe, il dit son compte qui est en dollars, et puis il baille toute transaction. Là, ça me donne un relevé total, complet, de l'ensemble des transactions rentrées et sorties. Avec cette attestation, le dossier de l'UCREF est tombe sous ça le dit, là, si j'ai bien compris. Bon, oui,
Intelligence, cette bonne intelligence qu'on a pour nous nuire, pour l'état du pays, un pays qui est dans le sous-développement. Moi-même, moi toujours dis ça, les gens qui ont allé, moi j'ai l'école primaire. Et moi j'ai vu dans ce pays qu'on a eu des institutions, des entreprises, des substitutions à l'importation. On a gagné un rôle, on a eu un paquet de structures là, on a gagné d'autres faits sur un pays à Asco. Même fait à nous, c'était pas elle ici. Maintenant. Attendez, non, un point important, et nous allons retourner sur qui n'a donné rien. Qui l'UCREF saisit et comment elle saisit? Parce que Gonsous me parlait dans l'UCREF qui dit que faut une banque font déclaration de soupçon, et c'est à ce moment-là que l'UCREF saisit pour aller chercher renseignement. Maintenant, j'avais posé cette question à une source de l'UCREF qui dit que il a trompé au demandeur, et cette source m'a dit, et en attendant, directeur de la conférence de presse, pour le presse, je dis à là, que si il y a erreur, ce n'est pas au niveau de l'UCREF, c'est au niveau de la BNC. Maintenant, c'est des informations que nous mettons dans vos opinions pour confrontation. Je vais vous sur deux aspects avant de poser une question sur la réaction des sénateurs qui m'a des clarifications sur la question. Ça, et puis, des palampiles qui ont fait autour de présence et homme d'affaires et aux côtés de M. Moïse et président Elia dans le voyage à faire en République dominicaine. Poursuivez, M. Doré, sur ce point. Bon. Merci pour l'information, Besson, parce que je ne connais pas si tu fais enquête de côté propre. C'est journaliste professionnel, je ne comprends pas faire quand même, mais pas de compte si tu es arrivé là. Bon, si sous-souvent il s'est dû tomber au démoulin, c'est normal, bon, tu comprends ça. Je dis si il y a une erreur, c'est au niveau de la BNC. C'est pas eux qui font erreur. À ce moment-là, on fouille à l'enquête pour voir qui est au BNC qui a été manipulé pour détruire la personnalité des citoyens. Je ne parle pas de Jovenel comme candidat ou bien président élu. Je ne parle pas de ça. Je parle il y a un règle système bancaire là qui gâche, si vous dites, la sincérité des comptes. C'est ce qui est fondamental. Donner qu'on va bailler notre compte. La sincérité. Moi, je dis, n'importe qui, comme grand pile monde, comme BNC dans tout le pays, n'importe qui a un compte dans BNC, allez prendre compte, coacher, vous venez pour vous regarder pour vous. Pour le sous dollar, vous avez. Et pour elle finit par un, c'est une figure de la BNH qui demande pour moi qui fait différence. Donc, l'on fait ça là, pendant cette toute campagne, on fait Wattu, tout le monde, après les Jovenel, ou il y a un blanchiment d'argent, entre Jovenel Moïse, que moi connais depuis une quinzaine d'années. Son nègre, moi, qui fait tirer fond en ville, qui réussit. Parce que dans ce pays-là, il faut encourager mon réussir. La politique, c'est pas un monde pauvre, c'est un monde heureux. Et puis, c'est bon, c'est bon, pour les gens qui ont des moyens, pour les gens qui n'ont pas d'emploi, pour les gens qui n'ont pas de travail, c'est comme ça l'économie fonctionne. L'on prend une institution, ok, ce soit, mais je ne dis pas au minute, pas au vote, mais moi-même, j'ai avec moi une attestation de la Banque nationale des crédits qui dit que les mêmes sont comptes en compte des gains. Donc, maintenant, on dit là où il ne s'est pas typé, il ne s'est pas dit pour des gains de l'eau. Soit BNC, mais moi-même, derrière moi, j'ai tous les comptes, mais j'ai tout à gagner là, non, mais moi, les relevés, tout à gagner net, etc. Là, nous trouvons que sont comptes en compte, toutes transactions sont en compte. Donc, et puis tout, Jean-Pierre Moïse, monsieur, bon, dis-moi. Je vais croire que c'est un qui est prêté dans le système bancaire et parabancaire haïtien de 20 millions de dollars au cours de ces 20 dernières années pour les affaires. Oui, dans ce pays. Elle dit que si on est capable de créer un emploi, bah, on est capable de créer. Mais maintenant, Guichard Doré, enquête ça lancée en 2013. Et nous avons beaucoup dans la campagne électorale. Et M. Jovenel Moïse dit que la Banque nationale qui a un rapport n'est pas spécifié dans l'intervention. Là. Maintenant, par contre, s'il a parlé de saisine de UCREF et par rapport à une déclaration de soupçon de Banque nationale, ça, je n'ai pas cette compréhension-là. Parce que, allez-y. Bon, moi. Et le directeur de l'UCREF actuel, M. Sonel François. Et c'est un directeur UCREF qui était là, mandat n'est pas confiné. Très bien, attendez, ça va tout là. Mandat, monsieur, n'est pas confiné. Négio fait pression pour faire révoquer. Je dis, bah, monsieur, on verra pour vous dire. Monsieur, refusé. Monsieur, il a refusé de signer, on verra pour vous dire, nous, Jovenel. Monsieur dit non, Greg Garcio interdit de faire ça pour le contrôle. Négio révoqué, monsieur. Il y a une organisation droit de l'homme qui propose ce monsieur-là qui est un grand ni fait travail qui fait ça. C'est une machination politique. Et moi, j'ai toujours dit, donc tout le monde qui a un dossier ça. C'est un dossier fabriqué dans les officines du Palais national
avec une organisation qui dit que le droit de l'homme, en fait, au fait, c'est une organisation politique, avec d'autres mondes qui ont besoin du journal. Nous, même si c'est notre stratégie campagne, là, nous définissons un bagage, nous disons, président, Kaïsa, on va nous occuper. N'a pas le national dans qui année? Ah, ben. Écoutez, au palais national aujourd'hui, il y a une équipe au palais. Ah, ok. Donc, c'est administration privée ou Martelly? Il y a des non, mon cher. Les grandes oreilles de la République, les grandes oreilles de la République sont là. Écoutez, des interventions qui sont faites, tout n'est pas falsifié, donné pour nous, Jovenel Moïse. Moi, je pense que Jovenel Moïse fait politique autrement. Où est-ce qu'il n'y a rien? Où est-ce qu'une institution aussi prestigieuse comme ILCC, YF, et puis nous prenons la fédération. C'est une règle principale pour ne pas immiscer dans les affaires politiques, parce que c'est là où bon document pour tout le monde qui a fait le froid. Maintenant, monsieur Doré, positionnons-nous ici, à, et position tout citoyen et journaliste, c'est de clarifier l'affaire pour garder est-ce que UCREF, et nous avons dit là, ça dès le début, est-ce que UCREF manipule les chiffres et est-ce que M. Moïse Gombaï pour reprocher lui pour que nous avancions au nom de la bonne gouvernance et assurer-nous que nous avons pour diriger nous au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est une position de principe. Maintenant, sur les deux autres questions que nous posons là, concernant, par exemple, des sources qui disent que un homme d'affaires qui est inculpé dans la question de drogue qui était avec M. Moïse au niveau de la République dominicaine pendant là-bas. Et soit qu'a dit nous sur ça, bon, Richard Doré. Écoutez, merci pour la question, Oberson. Moi, pas qu'on est tout le monde qui a accompagné le président et Moïse pour Saint-Domingue, parce que moi, pas là, moi, connais que l'équipe pardon qui est en campagne avec nous. Moi, je connais M. Zéphirin et accompagné, Christine qui était dans la campagne là avec nous, et moi, je connais Donéval qui était dans la campagne là avec nous, accompagné. Et moi, je connais l'autre monde qui accompagne, moi, je suis dans la presse qui a gagné des hommes d'affaires parce que pas là, les bails là, je connais. Et je ne sais pas qui est, je ne sais pas certifié, ni infirmé, ni confirmé l'information sur moi. Et de l'autre côté, je garde une équipe campagne qui était dans la campagne là avec nous pendant 20 mois, donc on connaît trois mondes qui accompagnent Zéphirin. Qui accompagnait, et puis M. Donéval qui accompagnait. Ok, mais sauf que sur page Facebook, Jovenel Moïse, les tweets, les postés hier soir, et que chancelier Miguel Valgas, qui était l'autre dignité dominicaine ensemble avec lui, fait un dîner pour lui-même avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens. Donc, il n'a pas souligné qui est homme d'affaires qui était avec lui, mais il dit qu'il était un dîner qui était fait pour lui-même avec plusieurs hommes d'affaires qui étaient en délégation d'hommes d'affaires qui était avec lui. Jovenel Moïse, c'est ça, limité sur page Facebook. Oui. Je connais des entrepreneurs avec lui, mais je ne connais pas. Voilà. Oui, c'est ça. Eh bien, bon, Nathan. Maintenant, entre temps, des questions ça, ou pas répondre, il y a des sénateurs qui demandaient pour que ça soit clarifié et eux-mêmes. Dit yo descend ba trois par exemple que ba la clarifier et même yo dit papa Alain et prestation seulement et président Elia le 7 février m'en vitando et me pose une question ça oui parce que dans ce pays cette bonne intelligence qu'on a on doit la mettre au service du développement du pays. Écoutez, moi je crois que monsieur Sayo c'est des hommes de l'opposition qui c'est normal, il y a fait politique, il a animé l'opinion. Non, c'est normal. Même penser que la population vote au candidat. Donc, monsieur, je connais l'officine. Oui, tout le monde a parlé de dossier qui est foutu là. Je connais qui est le monde qui fabrique le bail, qui est connais. Pour qui ça, monsieur François Lila, il vous dit à la mandat, il est fait passer pour 3 ans de nouvel. Il n'est pas fini. Le mandat de l'ancien directeur de l'ITF qu'on a révoqué, parce que nous n'avons pas les national de la force pour le défalciter d'autres, Jovenel Moïse n'est pas d'accord. Il y aurait évoqué une relation qui était lui-même que qui était dans pareil justice parce que ça ne peut pas faire persécution politique. Le directeur cabinet du président de la République actuellement, il parlait de M. Benrive, qui a évoqué lui avant de quitter le gouvernement. Il y a une organisation de droits de l'homme qui prend ce qui propose, puisque c'est un marché qui s'y est entre organisations, on parle de non-agression, qui s'y est entre organisations, ça et M. Justin Briver. Pour arriver là, il y a un homme qui a fait ces questions politiques. Tout ça qu'on fait par là, tout le monde qui s'est fait là, c'est des hommes du palais. Il y a des gens qui ont été levés à la caille privée pour le café pour prendre instruction pour venir à l'île. Nous connaissons. Nous connaissons. Donc, même, c'est
ça me fait vous faire que c'est une opération politique politicienne à défendre. Et la population ne comprend pas là. C'est pourquoi que la population vous dit Jovenel comme ça. Oh oui, parce que Jovenel vient gagner plus voir qu'elle gagne au premier tour de l'élection des KTA. Population connaissait Abdou Yasseli parce que c'est quelqu'un qui vient de la province. Voilà. L'histoire a changé. Les données de ce pays ont changé depuis quelques temps qu'on est compris que pour nous tourner les dos. D'ailleurs, nous-mêmes, la nuit, je vois pas ça. Tout le monde a pas fait travail normalement. Pas de persécution pour personne. Moi, je voulais que tout le monde clair sur ça. Maintenant, dernière question. Est-ce que M. Moïse prend le cabinet d'instruction et avant 7 février? Écoutez. Jovenel Moïse toujours dit lui-même il n'y a pas de problème pour lui avec les institutions, il est un homme institutionnel pour le travail. Non. Mais remarquez que vous avez une institution qui a une donnée, dans ces banques-là qui produisent des données, quand on a besoin de donner un dollar pour convertir un coût, ou l'IQF a trouvé ce pouvoir. D'ailleurs, il y a une règle internationale pour instituer ça. Il est supposé respecter la sincérité. La sincérité. Et faut donner yo crédible. Merci oui. Pile Guichard Doré parce que t'es accordé nous une longue interview ça et pour porter et éléments d'information ça et pour opinion. Et merci pile passe une bonne journée frère. Kembe là. Merci. Au plaisir. Nous prenons une petite pause, n'a tourner tout de suite. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9.